Salutations tout le monde, ici Silent Death et aujourd'hui une petite vidéo sur Final Fantasy Brave Exvius où je vais essayer de faire le défi de Bahamut en version trial, hein, en version défi. Bien, ouais, pas l'événement, en version défi. Alors l'objectif ça va être de débloquer ici le roi de le Polymi 3, bon ça à la limite je m'en fous. J'en ai tellement vendu des Moogle toute la journée. Enfin, c'est pas des Moogle, mais. Si, c'est des Moogle, mais de Trust Mastery pour les trucs que j'avais déjà. Enfin, bref. J'en étais où? Oui. Le défi. Bon, alors, pour le défi, un setup où je vais prendre du coup un ami ici. Il y a Marie, parce que ça va me permettre de bien faire grâce à ça. On va voir ici. Que je retrouve, c'est dans les spéciales le prismatique quoi, qui va permettre de monter. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Amour pour tous, love you all, qui augmentait les résistances et les éléments de tous les alliés. Ça va être quasiment un impératif dans ce combat. Une unité qui augmente les résistances, parce que vous Bahamut il envoie de la magie de tout type et qu'il y a bien besoin d'avoir un boost de résistance. Donc soit vous prenez Marie, si vous n'avez pas Marie, Cloud of Darkness, c'est une 3 étoiles, pas mal de chances de l'avoir. Ici vraiment vous avez rien. Si vous avez Tillis, ça marche aussi, le problème c'est que c'est une 5 étoiles, donc il risque fortement de... Voilà. Pour le reste, essayez de blinder vos unités de... J'ai flemme d'en faire le setup. Mais oui, non, dans l'idée, il faudrait qu'il soit blindé de résistance psychique. Mettre un costume autre, des avantages psy, pareil. J'y mets avec 10%. Vite fait, je vais essayer de lui trouver un truc bien. C'est toi qui crée un minimum utile, voilà. Super vite, il crèvera pas tout de suite. Enfin, il crèvera, mais un peu plus lentement. Ah, il a besoin de résistance là. L'attaque là. Celui-là. Voilà, 204 de psy, 500, je crois, il va mourir. Il va pas mourir parce qu'il peut... Parce que, de toute façon, sur le Mega Blaster, hein, elle meurt pas parce qu'elle bosse raise. Lui, il meurt pas non plus parce qu'il va sauter. Elle est à 500, quasiment. Résistance à la magie, elle est bien aussi. Je vais lui mettre ça. Voilà. Ah oui, si vous avez le capuche de chat, c'est un objet qui débloque... gros chocobo dans la dernière zone, ça donne des résistances un peu comme la couronne des esprits, sauf que ça donne je crois 10. Ça va être intéressant pour le boss, pareil, un must have. Et si vous avez fait l'event précédent, la protection de l'île, c'est assez fort. Templation de Cécile, comme des bonnes résistances à la magie. Pas la glace, mais sinon on est pas mal. Au niveau des chimères, donc des choses. Donc ici résistance sonore qui fait pas d'attaque de ténèbres, de souvenirs, donc ça va. Bon, essayer de booster les résistances là. Je peux me tromper, hein, mais il en faisait pas, ou alors c'est son méga brasier. On va esquiver d'une autre manière. On va essayer de monter donc là. Rien, je fais comme je peux, hein. Avec ce qu'on a. Donc au niveau des chimères, ouais, si vous pouvez mettre Odin, intéressant du coup. Sauf que moi je l'ai pas Odin, je fais avec ce que j'ai. Bon, allez, du coup au niveau des unités, on peut le faire très bien avec des unités basiques sur Yannick.
3 étoiles ou 4, sauf la dernière qui va être le DPS. Ça serait bien, moi en l'occurrence, ils sont dans la porte. Mais on va tenter la chose comme ça. Vraiment facilement. Genre les armes élémentaires, c'est une grosse résistance. Peut-être je vais la garder parce que... Là ça va. Là, on est bien, grosse dose de PV. Hein. On est bien. Ah bon, c'est parti. Charge. Donc l'idée ça va être de charger cette barre là. Donc premier tour, donc là il se charge, quand il fait ses petits charges en énergie, c'est sûr qu'il va faire méga braser au tour suivant. Donc là, je vais passer en mode défense, ceux qui peuvent se défendre, là je lui mets l'autoraise. Puis pareil, avant de sauter par contre, très important la concentration, c'est augmenter de la psy, c'est vraiment ça qui va vous sauver dans le... Dans ce combat, bon bah lui... Donc, je vais essayer de le rentrer en défense et lui il va sauter, il évitera de mourir. Donc méga brasier, c'est bon, ça va, il a suffisamment de psy. C'est s'il est mort hein, quand même, t'es pas en défense ouais, parce qu'il a mis le rat de juste un D-max. Donc là maintenant ce qu'il faut c'est stabiliser. Je passe mon tank et je blinde de soins. Il n'y a pas de soins, donc je vais le garder. Elle a des soins. Je pense qu'elle est passée en berserk dans l'idée. Je... fasse pas ça tout de suite. Ou ainsi, je soigne mon kill. Voilà. On commence à l'entamer un peu, surtout, voilà, on se régénère. On voit tout de suite la résistance aux éléments, on le sent tout de suite. Hein. Là, hop. Même, on va faire ça mieux. Un petit boost d'attaque. S'il devait réussir à nous stabiliser. Pas la peine d'être à fond, je pense, pour l'instant. Du coup... Ici, je vais réduire toutes sa résistance élémentaire, comme une grosse résistance élémentaire, que je vais lui faire quelques dégâts. Je vais faire ça, et là, c'est parti. Oui. On va essayer de le mettre. Combo, je ne maîtrise pas beaucoup finalement. Ça va être très long, parce que cette unité attaque très fort, mais elle attaque très très longtemps. Elle risque de prendre pas mal de temps. Moi devrait être assez long malheureusement. Alors, il y a des moyens de le faire plus vite avec d'autres unités. Tirer une queen au piochage, donc je sais pas avec ce que j'ai. J'ai un Gilgamesh comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa. Pensez bien aussi à compter vos nombres de tours, histoire que pour c'est fort en réaction. Vous avez toujours les buffs. Il faut que je fasse un refresh de la concentration si je veux pas. Ouais, ce que je veux faire aussi, non c'est pas ça, c'est lancer ça pour restaurer les PM de l'équipe. Là normalement lui il a rien à faire. On va le mettre en mode défense. Hop, on va continuer à attaquer. Je mets triple attaque pour être plus un peu de mana par le cerisier.
ça combotte moins déjà. Et ensuite. Attends, j'ai enlevé son épée. Il y a toujours les combos non, le combo c'est ce qui fait plus de dégâts effectivement dans le jeu quand vous gagnez par tranche de. Le combo c'est pas mal. Donc là, on voit troisième tour, faut que je remette le view hall. Je devrais le perdre au prochain tour. Sinon, je suis à 2 et j'ai encore 2 tours sous Psy et 3 tours sous le View Hall. Attaque. Parti. Bon, je monte pas très haut. Florian n'est pas forcément une très bonne unité pour ça et Queen et Gilgamesh. Il manque un truc pour. Ils arrivent à faire quelque chose, Gilgamesh attaque très vite. On voit que ça monte à 4, mais dans l'idéal, quand on fait une nouvelle chaîne, on peut monter jusqu'à 10 ou 20, on fait des dégâts par sensé. Pour ce qui est du boss, sinon il n'y a pas de palier particulier, juste à 50%, il va mettre un Maelstrom. Ça tue pas. Tue pas l'équipe. Ça met juste, c'est un sorte de gravité, ça me tue pas, c'est très intéressant, mais... Voilà quoi. Du coup, on est tous empoisonnés. Alors si vous avez une nuage des ténèbres, vous faites comeback. Bah, si vous l'avez pas, vous faites comme moi. Tiens. Ah, vous soignez. Les buffs au boss qui prend un vrai dégât. Bon, sur résistance élémentaire, il met pas beaucoup de dégâts. Hein. Ça réduit vraiment beaucoup sa puissance. Hein. Surtout avec celle de Marine. Très très fort, je suis plus content de ça. Mais c'est pas écrit, mais c'est très fort. Si vous n'avez pas de Queen, pour gérer la mana avec ce que vous pouvez. Refia, vous juste lui équiper avec une autre double source qui nous permet de faire 2 restes partout. Très très fort, mais je pense qu'avec Yashtola, vous pouvez vous en sortir. Là, j'ai 3 attaquants, mais dans le jeu, si vous avez 2 healers, ça passe très bien, c'est juste un peu plus lourd. Bon, là. Je vais soigner en blinde et je vais remettre la protection là. Et comme je suis très bon en mémoire, j'ai beaucoup de... Si j'avais fait ça, donc je vais le refaire et puis comme ça je compterai 3 à chaque fois. Ce sera plus simple. Ah, 7, ouais, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, mon gars. Bon, faut pas que j'oublie de le tuer avec la chimère aussi parce que c'est le but de l'exercice un peu. J'ai déjà fait 2 fois ce boss, 2 fois j'ai oublié. On va essayer. Je suis pas en live, j'aurais dû faire ça en live, j'aurais demandé aux gens. Parce qu'ils en pensaient. Mais ils ont rempli de tuer avec la chimère là. Donc voilà, 50% est passé, il fait le Maelstrom, ne vous inquiétez pas, tout prévu, et c'est génial parce que du coup il me réactive le Berserker sur Punt, ce qui fait qu'il est pas très violente parce que j'ai pas beaucoup d'attaques dessus, mais si on regarde le talent, je crois qu'il l'a pas activé, c'est pour ça. Voilà. Augmente l'attaque lorsque les PV sont sous un certain seuil. Ce seuil c'est 1%. Alors je sais pas si je suis passé, mais si ça l'active, ça augmente les dégâts de 100%. Et au batch 3, c'est 300%. C'est le maximum de dégâts possible. Alors, ici j'en ai une triple attaque, dévastation. Sur max. Et puis c'est parti.
Hop. Ah oui, donc aussi les dégâts avec mon CC sont un peu augmentés. Peut-être aussi pas mal augmenté sa vie, on le voit pas. On le voit pas, mais les limites burst niveau 25, qui augmente de 75% l'attaque, la défense. Attaque physique, attaque magique, défense physique, défense magique, ça c'est puissant. Ah. J'ai raté qu'il avait clignoté. C'est ballot ça. Ça c'est ballot ça pour demain, ça c'est... J'avais pas prévu ça comme ça. C'est pas grave. Alors, en temps normal, si vous avez pas des unités broken, vous êtes mort. Et là, j'ai la chance d'avoir des bonnes unités. Ça va, je devrais vraiment sortir, mais il faudra sûrement que je paye mon reste sur les fiches. Même pas. De la chance. Beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Ça va bien se passer. Ah, c'est bon, si me buff, c'est génial. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et là, hop, je rebuffe tout le monde parce que hop. Amant pour tous. Garde sacré. Voilà. Je vais remettre un coup de. De régène mana. J'ai quelque chose de très puissant et ça ira pas au-dessus donc. Bon, on est bientôt près de la fin là. Faut que je fasse attention à mon ça. Ouais, on a plus de buff. C'est pas que j'ai oublié de faire. On voit tout de suite, hein, c'est pas des buffs. C'est un petit scan. On va pas y résister aussi. Mais... Le problème c'est que j'ai une âme qui attaque pour une lumière et qu'on envoie. Ah mais encore, je suis pas réveillé aujourd'hui. Pas grave. La routine. En fait j'aurais pu les garder en vie, mais je suis tellement là. Bon, vous voyez, le boss il est facile, hein. Même quand on fait n'importe quoi, on reste en vie. Hein. Je vais me remettre de ça sans trop de problèmes. Ouais, là j'ai vu, on est dans le rayon de lumière sous forme. Là on va pas faire n'importe quoi. Détruire tout le monde. Voilà, ceux qui peuvent se mettre en défense, se mettent en défense. Ouais, le mieux c'est pas de la mettre en défense. De toute façon c'est une mono-attaque, hein, donc
ça la tuera pas parce qu'il y a peut-être une fois que bah, il va la tuer et puis ensuite elle va survivre. Moi je fais ça. Et comme vous voyez, ça marche plutôt bien. Derrière, soigner. Hop, on soigne, on raise, on stabilise. Hop, on rebuff. C'est raté. Ouais, Firion avait pas eu le temps de raise. C'est bizarre cette histoire. Bon, j'ai enlevé les poisons parce que ça me gave. On stabilise. Hop. On avance un peu sur le boss. Et du coup, je vais rebuff. Dommage. Je fasse vite parce qu'il commence à prendre. Encore un élan rien sur le fort. Vous connaissez la manip. J'ai pas de... de résistance à... Si... J'espère juste qu'il va pas le tuer en fait. Ce serait ballot qu'il le tue en fait. Ça m'arrangerait pas trop. Putain, il m'aura fait méga brasier à chaque fois. Alors, faut savoir que ce boss est un bugué. De temps en temps il dit qu'il va faire quelque chose mais en fait il ne le fait pas. Et là, il a décidé de quand même le faire, et à chaque fois, c'est embêtant. On se stabilise. Comme on peut, parce que là, du coup, je vais prendre très très cher. Pas de résistance à la magie. Demande ton gardien. Hop. Stabilise. Non, pas soin X, c'est de la merde. Soin X, ça soigne moins que soin max, hein, parce que c'est fou. Même des attaques normales, je pense. Là, je pense je vais y aller quand même. C'est le moment de l'achever. Alors. Chimère. Ah, on... Si ça passe pas, je meurs. Du moins, je suis très mal. C'est bon, massacré, il est mort. Voilà. C'est passé. On va voir ce que ça donne. Et voilà, ça c'est fait. Et bah très bien, et bah je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de ce que cette vidéo, et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.